tous. Bon, bah là, c'est bientôt la fin du week-end. Hein. Enfin, on est lundi matin, donc c'est la fin du week-end techniquement. Mais mon week-end de voyage donc se finit aujourd'hui. Je passe donc par le zoo de la Palmyre que j'ai pas été voir depuis pas loin de 20 ans. Donc, on va aller voir un petit peu les changements, filmer tout ça. Et puis, comme ça, pour ceux qui sont beaucoup trop loin pour y aller, vous pourrez voir quand même quelques images. Donc, puis, je ferai un petit bilan de ce qui a changé pendant les 20 ans pour voir si le zoo est toujours aussi attrayant ou pas. Parce que bon, ça fait que quand j'étais petit, j'avais une autre vision du parc zoologique et j'avais apprécié quand même. Donc on va bien voir s'il y a quelques restes, s'il y a quelques trucs qui ont été améliorés, qui sont vraiment bien quoi. Donc on va voir ça sur les vidéos, voir si on voit quand même pas mal d'animaux, parce qu'au mois d'octobre, c'est pas forcément évident. Surtout que je devrais pas y avoir grand monde normalement dans le parc un lundi. Donc ça me laissera le temps d'être filmé tranquillement, en espérant que les animaux se montrent. Donc bah on va vous montrer tout ça, puis on fait un petit bilan bah, d'ici quelques heures après ma petite visite. À bientôt!
Oh non, non, tu n'as pas le droit d'aller par là. Non, non, c'est juste là. Tu peux aller là. Où ça? Oh là là, c'est un tout endroit. Oh, c'est jamais ça. Là, tout ça, c'est beau, hein.
passé où? Parce qu'il y en avait bien deux. Non, non, non. Tout à l'heure. Ah, ouais, deux. Oui, deux. Oui, Gaspard t'appelle avec l'appareil photo. Elle est bien. Tu veux qu'on passe? Thank you.
Thank you.
Donc voici donc pour la fin de cette vidéo. Donc bon bah vous avez pu le voir, hein, beaucoup d'espèces au niveau du parc zoologique de la Palmyre. Alors j'ai pas pu prendre tout le monde parce que bah, malheureusement sur mes trois batteries de GoPro, je les ai toutes claquées avant la fin et mon téléphone portable était pareil. Donc j'ai quand même réussi à prendre les tortues qui étaient vraiment ce qui m'intéressait le plus et quelques reptiles. Il manque juste les otaries, des lamas et deux types de panthères. Donc bon c'est s'il manquait pas grand-chose. Sinon, bah, pour moi, c'était un moment un peu nostalgie là-bas, parce que ça faisait 20 ans que j'étais pas allé. Donc, bah, de bons souvenirs qui sont revenus, et puis bon, en même temps, de voir tous ces changements, ça chamboule un petit peu. Des bonnes améliorations au niveau du parc. Ça, j'ai vu la différence entre les anciens enclos et les nouveaux. Et pour certaines espèces, c'est vraiment pas mal. J'ai pas regardé de spectacle de perroquets ou otaries et autres parce que déjà on est hors saison. Et en plus, bon, bah, c'était vers 15h30 et moi il fallait que je parte avant. Donc voilà. Non, mais sinon c'était sympa. Pas trop de monde en plus. Donc j'ai eu de la chance. J'ai réussi à filmer quand même pas mal d'animaux. Par contre, le souci que j'ai eu, que moi, c'est que j'étais assez loin à chaque fois. Donc avec la GoPro, on n'a pas pu forcément voir bien tout nickel. Et quand c'était pas loin, des fois il y avait les grilles, des fois il y avait des vitres avec des reflets. Enfin bon, c'est les aléas des tournages, on va dire. Hein. Puis c'est des enclos aussi sécuritaires, donc on peut pas non plus demander à ce que ce soit nickel. Donc voilà. Sinon, ouais, un très bon zoo, hein, y a pas de souci. Alors je vais visiter Thoiry d'ici quelques temps parce que j'ai gagné une place là-bas. Donc je vais pouvoir faire une petite comparaison, on va dire. Par rapport à Planet Exotica, c'est totalement différent. Mais parce que bon, c'est Planet Exotica, c'est plus reptile qu'autre chose et plus petit. Mais les deux ensemble marchent bien dans le même secteur, donc ils se bouffent pas le nez, quoi. Donc c'est nickel. Donc voilà. Donc moi, j'ai effectué mon retour et puis on se dit bah, week-end prochain pour Gargenville et puis je ferai une petite vidéo de la bourse. Enfin, Tom fera une petite vidéo de la bourse puisqu'il sera avec moi. Donc on vous mettra ça en ligne dès que possible. À bientôt.